Vous allez voir que lorsqu'il pleut, abondamment, l'eau traverse la toiture. Une salle d'attente vétuste. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les marins du Frioul sont en grève depuis ce matin. Cela fait maintenant 5 ans qu'aucun travaux de rénovation n'a été fait dans ces locaux. Autre discorde entre les salariés et la direction, une revalorisation de salaire. Suite à une première réunion de négociation salariale, au cours de laquelle nous n'avons pas été d'accord, notamment sur la première revendication qui était d'une mise en place d'un 13e mois. Chose à laquelle la porte fut fermée à 2 reprises par la direction. Aujourd'hui, le bras de fer continue entre salariés et direction. Une direction prête à renégocier. Aujourd'hui, la revendication des marins porte donc sur une augmentation de 7%. Je ne suis en mesure de ne donner que 1%. Le but, c'est que la grève s'arrête rapidement. C'est que, d'une part, la raison l'emporte. Les salariés grévistes ont décidé cet après-midi de reconduire leur mouvement de 24 heures. Une navette de substitution a été mise en place depuis ce matin pour satisfaire les usagers.